innover pour prévenir. Je pense qu'aujourd'hui, quand on tient compte de ce qui a été enregistré en Haïti au cours des dernières années, particulièrement 2004-2008, et malheureusement, encore une fois, et on apporte les séquelles du 12 janvier 2010, et aujourd'hui, on a compris avec la technologie de pointe, ça nous permet justement de prévenir et les risques d'inondation, les risques de séisme. On a quand même pu développer et on a vu les différentes cartes et de risques sismiques particulièrement, qui nous permettent justement de prendre et des dispositions par rapport, je dirais, à ce qui se passe sur toute l'étendue du territoire en termes d'aménagement particulièrement. Donc, c'est un forum qui est quand même, et qui tombe justement en ski. Et d'ailleurs, le 1er juin dernier, on a lancé la saison cyclonique. On y est justement en pleine préparation et jusqu'ici. Et tout simplement, on se posait la question avant ce forum. Et est-ce que normalement, on peut dire qu'on est prêt aujourd'hui? Est-ce qu'on est mieux préparé qu'on l'était, particulièrement avant le 12 janvier 2010? Et tout simplement, il nous faudra reprendre et les simulations. Quand on fait face à la réalité, on saura tout simplement et si on était prêt ou non. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est justement de voir qu'est-ce qu'il y a quand même en termes de technologie pour nous permettre et de préparer quand même d'avoir de meilleurs exercices de simulation, comme et on a l'occasion de le voir et aujourd'hui. Je remercie la Banque mondiale qui a accompagné le gouvernement et haïtien dans cette démarche, qui continue d'accompagner d'ailleurs à travers la protection civile. Et je salue l'expérience, la compétence de tous les acteurs impliqués et au niveau du ministère de l'Environnement et de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et je parle du ministère de l'Environnement parce que mon collègue du ministère de l'Environnement devait me rejoindre ici et malheureusement retenu par d'autres obligations et avec le conseil et du gouvernement qui aura lieu plus tard. Donc malheureusement, certains ne pourront pas être avec nous, mais ils tenaient quand même à nous visiter pour voir, parce qu'on devra et quand même travailler ensemble. Et c'est ce à quoi nous nous attendons et dorénavant, que tous les ministères impliqués, concernés par les risques, je veux parler du ministère de la Défense, avec ces jeunes et qui viennent et de retourner au pays, qui ont une formation en génie militaire. On comprend l'importance et du corps de génie, et surtout dans un pays comme Haïti, un pays à risque, comme nous l'avons dit tantôt. Le ministère de l'Environnement, je viens d'en parler, le ministère de l'Agriculture et les exposés que nous avons eus, et la technique qui est développée aujourd'hui concerne également et ce ministère. Le ministère de la Santé publique, particulièrement aussi, a son rôle à jouer. Et c'est ce à quoi et nous voulons aboutir. Et avoir une table où tous les acteurs impliqués, tous les acteurs concernés se réuniront pour une action rapide, pour une réponse rapide à la population. Ce forum, ça a d'abord mis des gens ensemble, des experts effectivement, mais également des fonctionnaires de l'État, des gens de la société civile, des représentants des ONG. Donc il ne faut pas minimiser l'impact que ces échanges, surtout dans les couloirs, en dehors des sessions, peuvent avoir. Donc en ça, je pense que c'est déjà une réussite. Qu'est-ce qu'il ressort pour moi de ce forum? C'est d'abord depuis 2004, justement, depuis ma première venue en Haïti, le saut technologique effectué par le pays en matière d'information sur le risque est énorme. En 2004, on se battait pour obtenir des appuis pour développer une carte d'inondation. Je crois qu'une des premières qu'on a faites, c'était sur la zone de Camperin, Fonds-Vérette. Et aujourd'hui, on voit, c'est vraiment impressionnant le nombre de cartographies du risque qui ont été produites ces dernières années, bien entendu, surtout après le séisme. Donc il y a vraiment des informations très avancées. Je crois que on a souvent tendance à comparer les deux pays qui partagent l'île d'Hispaniola. En République dominicaine, où je travaille également, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un niveau d'information similaire à celui d'Haïti.
Donc je crois que ça c'est déjà un point positif. Bien entendu, ce qui ressort aussi du forum, c'est qu'il y a une nécessité pour mieux systématiser l'information, mieux partager cette information. Je crois que ça c'est une recommandation qu'on lance aussi à l'attention du ministre de l'Intérieur, mais également des autres autorités et autres institutions nationales. Je crois qu'il faut qu'on trouve rapidement un moyen de collecter cette information et de s'assurer que toute institution, toute personne, tout habitant intéressé par avoir accès à l'information sur les risques puisse la trouver quelque part, en format papier ou aussi en ligne. Je crois qu'on a vu les avancées technologiques nous permettent de partager facilement ce type d'informations. Donc je crois que ça doit être dans le très court terme un aspect sur lequel le gouvernement doit travailler avec ses partenaires. On ne peut pas organiser ce type de forum tous les mois, tous les 6 mois ou tous les ans. Donc avoir cette plateforme dynamique où l'information peut être partagée est un point important. Deuxième point important, c'est que avoir une meilleure connaissance des risques ne peut avoir un impact que si on prend action. Donc on a aujourd'hui une meilleure connaissance des zones à risque. Prendre action sur la base de cette connaissance, ça veut dire comprendre là où on construit, là où on ne devrait pas construire. Pour certaines zones, c'est compliqué. Les zones sont déjà habitées. Pour des zones moins habitées, on peut aussi mieux contrôler l'aménagement du territoire. Donc les applications de l'information sur les risques disponibles aujourd'hui en matière d'aménagement du territoire sont énormes. Il faut aussi pouvoir avancer sur ce domaine. Des avancées au niveau aussi de la manière dont on construit. On a vu sur les stands ici, que ce soit du niveau scolaire, avec une école qui présentait différentes techniques de construction, ou au niveau du ministère des Travaux publics, on voit qu'il y a des avancées aussi importantes à ce niveau. Donc ça, je pense que c'est les conditions, disons, techniques, technologiques, sont là aujourd'hui pour avancer sur la prévention des risques. Alors la route est longue, ce n'est pas des choses qui peuvent être changées, réglées en un an. Que fait-on pendant ce temps-là, pendant qu'on essaie d'améliorer l'aménagement du territoire, les codes de construction? On doit continuer à mieux préparer les communautés. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est certainement un des domaines sur lequel le pays a le plus avancé depuis 2004. Aujourd'hui, vous avez des comités de protection civile sur quasiment l'ensemble du territoire. Certains sont très fonctionnels, certains moins. Ils fonctionnent avec des moyens limités sur une base de volontariat. Ils sont, encore une fois, pour certains, très actifs. La direction de la protection civile a choisi cette option il y a plus de 10 ans. On pense que c'était la bonne option. On continue d'appuyer la mise en place de ces comités sur l'ensemble du territoire, la réalisation d'exercices de simulation de façon annuelle. On disait au ministre de l'Intérieur hier qu'il faut pouvoir mesurer ça. Quand on a tendance à ne pas mesurer et évaluer, on pense que les choses ne se font pas. Et donc, arriver avec des indicateurs précis, une évaluation précise des efforts effectués en matière de protection civile au sein de ces comités, c'est quelque chose d'essentiel. Ce forum n'est pas une fin en soi. Ce forum, au contraire, est pour nous une première étape. Et c'est une étape dans le sens que, en fait, ça devient le début d'un processus. Ce n'est pas vraiment une première étape dans le sens qu'il y a beaucoup qui a été déjà fait. Et M. Matéria, le ministre, l'a rappelé. Mais c'est une étape qui marque un début. Et nous sommes prêts à prendre les leçons tirées de ce forum pour continuer à accompagner et à travailler au niveau de la direction de protection civile pour le développement de plans. Et que, finalement, nous puissions nous fixer des horizons pour que, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on puisse vraiment pouvoir mesurer la réduction du risque dans ce pays. Ce matin encore, on parlait d'aménagement du territoire au niveau de justement cette salle, et la France montrait que dans certains territoires français qui ressemblent un peu à ce que nous vivons en Haïti, les gens vivent dans des zones à haut risque. Et maintenant, la connaissance du risque et la possibilité de savoir à quelle fréquence arrive un événement permet quand même à ce que certaines personnes trouvent des moyens pour pouvoir continuer à vivre dans ces territoires. L'important pour nous, c'est de tirer ces leçons, de prendre l'essence de tout ce qui a été dit,
regarder les aspects positifs comme les aspects négatifs, regarder pourquoi ça a échoué dans certains pays ou pourquoi ça a marché dans d'autres, pour pouvoir sortir un plan. Et je profite de l'occasion pour donc renforcer l'engagement que nous avons au niveau du projet à travailler avec la protection civile pour que justement la réduction du risque, on puisse la mesurer année en année. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire que la réduction de risque, malheureusement, ce n'est pas comme les désastres. C'est une action qui est plutôt ingrate, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'actions d'éclat lorsqu'on fait des réductions de risque. Lorsqu'on travaille à la réduction de risque, rien ne survient. On a travaillé, par exemple, après les inondations de 2004 dans Fonds Verrette, et maintenant, il n'y a pas d'inondation à Fonds Verrette. Par conséquent, personne ne parle plus de Fonds Verrette. Tandis que s'il y avait eu un dégât comme les inondations au Gonaïves, tout le monde en parle. Donc, je crois que ce qui va arriver, c'est qu'à un bon moment, on va être muet et il va falloir justement que ce soit ces chiffres qui parlent pour nous et nous montrer qu'il n'y a pas de dégâts qui survient. Et c'est important que le pays cesse de compter des pertes et qu'on commence à pouvoir accumuler une étape, un pas par un pas, sur le chemin du développement.